Pour un MK51, les différents cylindres. Là, on a le cylindre d'origine, donc avec des transferts de taille raisonnables, au nombre de 3. Un arrière bien développé, les latéraux aussi, dirigés assez bien vers l'arrière, par rapport au moteur V7, j'entends. Et une ouverture d'échappement raisonnable. Là, avec ça, on a un moteur assez punchy à bas régime. Ensuite, on va passer aux extrêmes. Là, on a le Mal aussi G1 Replica. Donc là, on est à 6 transferts. Transferts qui ont une forme bien particulière. Le transfert A, il vient comme ça pour ensuite taper au fond. Le transfert B, lui, par contre, il file comme ça. Ou à l'arrière, qui sont assez petits, mais bon, de compétition qui date déjà un petit peu, mais qui marche bien. Ah oui, l'échappement, un gros ovale. Côté fiabilité, il n'y a pas de problème, hein, les échappements ovales. Et quand je dis un gros, c'est un gros. Il y a de la largeur, c'est flagrant. L'autre et le dernier. Donc le dernier, lui par contre, c'est le Hersal en diamètre 47. Donc là, on est sur un cylindre qui a du couple, ça c'est clair. Il a aussi une ouverture d'échappement quand même. Enfin, en termes de diagramme, on est à combien? 165, je crois. Quand même dans une belle ouverture d'échappement. Par contre, en largeur, ils sont un peu ridicules. Hein. Par rapport au Mal aussi. Mal aussi il prend quand même bien plus large. Là on a le Mal aussi, il prend assez large. Et là on voit bien que l'Hersal, malgré qu'il ait un diamètre plus important, ça se voit bien au niveau du banc de joint. Côté largeur, il est un peu ridicule. Ceci étant dit, déjà pas mal comme ça. Ce qui va être fait en modification, ça va être déjà rajuster les transferts du carter au moteur Mal aussi. Donc là, il y a un petit peu de boulot quand même. Parce que sur l'origine, on se retrouve avec le transfert B là qui est quasiment bouché quoi. Et ce que je veux faire, c'est aussi à ce moment-là, sur le Hersal, c'est faire un travail au niveau des transferts, parce que là, on a quand même assez de matière, il n'y a pas besoin de rajouter de la matière pour agrandir l'embase des transferts, arriver avec une pente assez douce. C'est pour essayer de rendre l'Hersal bien plus compétitif, malgré que là il est quand même pour les petites courses de campagne, on va dire. Kit 47, il envoie déjà du steak. Hein. Walk jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot. Time.
jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is a jam hot. Jam, nitty gritty, you're listening to the boys from the big bad city.